Le contrôle de la SPAL. Et en fait, il... on le revoit ici. Pas tellement dans cette situation que Michael Landreau étant un petit peu fautif sur ce ballon, mais c'est au moment où Nestor Fabry fait la tête. Alors que dans les tribunes, on reconnaît Philippe Bondet, qui fut l'avant-centre de la grande équipe de Nantes et l'avant-centre de l'équipe de France, notamment à la Coupe du Monde de 1966. Suivi de ce but qu'il avait marqué contre la Yougoslavie, qui avait emmené la France en Angleterre. Ça me rajeunit, Thierry. J'avais joué en levée des rideaux avec l'équipe de France junior. Ben vous voyez. Ah ben oui, finalement, je suis Ziani, avec carrière. Il avait mis un beau but ce jour-là, hein, Philippe Bondet. Il en avait mis quelques-uns des beaux buts. Et dans les tribunes de Sopin, il y avait un supporter nantais qui avait une voix de stentor et qui criait tout le temps « Bondet, ton but !» Oh, il n'y a pas que ça, Thierry. Oui. Allez, Armand. Armand, allez. Et là. Deuxième photo, bien remis, mais il n'y a pas de jaune, si. Le super barret de Lechrome. Et là, et ballon qui est enlevé à Darrocha.